Hello tout le monde. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après quelques jours de vacances. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet et de mois d'août. Donc là ici, je vais vous parler des horoscopes du mois de septembre et je commence par le Bélier. Donc j'ai choisi cinq cartes du tarot des druides, une carte oracle de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et une petite carte du petit oracle des couleurs de Claire Duval en carte conseil. Donc, comme d'habitude, ici nous avons le plan sentimental, le plan professionnel ici où nous avons l'empereur, le plan sentimental nous retrouvons le grand prêtre. Le plan financier, nous avons ici la lune et au niveau des énergies, nous avons la carte de la renaissance. En synthèse, ici au milieu, nous retrouvons la carte du monde. Donc, dans le domaine sentimental, ici, on voit avec le pape, ça va nous parler d'épanouissement affectif et d'échanges également épanouissants. Ici, on va nous parler d'une union protégée. On s'engage ici sérieusement. On a envie de bâtir et de construire à long terme. Donc, ça peut nous parler de mariage ou de Pax. Ça peut également représenter la réconciliation si on a été un petit peu, il y a eu des brouilles avec son entourage ou avec son conjoint, hein, c'est possible aussi. Ici, on rétablit de la bonne communication. On parle vraiment de réconciliation. Pour d'autres, ça peut représenter la rencontre d'un étranger, pourquoi pas. Ça peut représenter également une idylle avec une personne assez aisée, hein, puisque le monde représente tout ce qui est assez fastueux. En tout cas, ça nous montre une très grande ouverture d'esprit au sein du couple. Ici, on est vraiment à l'écoute de l'un et de l'autre. On prend soin également de l'un et de l'autre. Ça va nous parler d'un grand bonheur. Ici, on est dans sa bulle. On est ensemble, en famille. On a envie de partager un grand amour, mais par exemple avec son conjoint, avec ses enfants, on reste ensemble, on reste groupés. Voilà, c'est vraiment sa vie de couple, sa famille qui est vraiment très important et dont on va prendre grand soin. Au niveau professionnel, on retrouve la carte de l'empereur, donc associé au monde. On va nous parler de compétences récompensées. Ici, avec l'empereur, on voit qu'on a une très bonne assise socio-professionnelle et ça peut nous parler également de sécurité de l'emploi. Donc, s'il y a un entretien d'embauche pour vous, ici, ça devrait se concrétiser, ça devrait être même une réussite, hein, professionnelle, surtout avec la carte du monde. Ça peut nous parler également de projets d'envergure ici, très importants, très grands. Hein, ici, on peut nous parler également, on peut être promu à un poste de direction. Hein, ici, ça peut représenter, avec la carte de l'empereur, ici, on est à la tête, on dirige par exemple une entreprise, on peut être directeur d'agence, on peut être à son propre compte, on peut manager une équipe. Voilà, ça nous parle d'un poste avec des responsabilités. Hein, ici, on est assez haut placé. Pour d'autres, ça peut parler également à un travail à l'étranger, où ici, on va avoir besoin ici d'étudier des langues étrangères également, qui pourraient aider dans votre vie professionnelle. Si on travaille dans le commerce, ici, on va étendre sa clientèle, on va également agrandir son affaire. On va peut-être, pourquoi pas, s'expatrier ou en tout cas essayer d'élargir son entreprise. On peut, pourquoi pas, s'étendre. Hein. Jusqu'ici, on travaillait dans le département et maintenant, on va essayer d'étendre son entreprise à des régions environnantes et voir, pourquoi pas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. Voilà, hein, on a envie de faire des choses en grand. En tout cas, on va nous parler de mérite reconnu. On nous parle de victoire et de succès professionnel. Voilà, ici ça peut représenter également une remise de prix. Hein?
voilà, on obtient un poste de haute direction, on obtient une promotion, voilà, et on est vraiment gratifié, mais on est gratifié publiquement, hein, voilà. Au niveau des finances avec la Lune, même s'il y a eu quelque peu des hauts et des bas, il y a eu quelques fluctuations financières, avec la carte du monde, on va nous parler d'expansion matérielle. Alors, il peut y avoir malgré tout des dépenses liées au foyer, aux enfants, des dépenses liées au logement, à la famille, des dépenses liées à un voyage qu'on a envie de faire à l'étranger, mais ça peut être également des projets immobiliers réussis. Ici, on a investi une grosse somme d'argent, pourquoi pas dans plusieurs petits appartements ou alors une maison. Ça peut nous parler également d'un héritage assez conséquent. Alors ici, il peut y avoir également des dépenses liées aux belles choses. Ici, on aime tout ce qui brille, on aime le luxe, on aime tout ce qui est beau. Donc, il va falloir malgré tout essayer de maintenir un équilibre au niveau des finances, de ne pas se laisser, comment dire, tenter par tout ce qu'on aime, hein. Donc attention malgré tout à ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Au niveau des énergies, avec la carte de la Renaissance, ça peut nous parler malgré tout de risques d'agitation, surtout avec le monde ici. On peut se montrer être dans une période assez exaltée, assez excitée. Pour d'autres ici, par contre, on peut faire ici des examens. Alors, ça peut être des examens suite à une vaccination, surtout si on a le projet de partir à l'étranger. C'est ce qu'il va falloir être attentif, hein, à ce que ces vaccins soient à jour. Pour d'autres, ça peut parler de nouveaux traitements de pointe, pourquoi pas. En tout cas, si d'entre vous ont quelques soucis de santé, ça peut parler de bonnes nouvelles et de guérison. En tout cas, ça nous parle d'une très bonne vitalité. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, je vais vous la montrer. C'est la pierre, c'est la labradorite. Je vous la montre. La labradorite. Ça va nous parler de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Alors, excusez-moi 2 minutes, je vais raccrocher. Voilà, excusez-moi, j'ai été, voilà, interrompre mon téléphone. Donc, la labradorite va nous parler de, c'est une pierre de prédilection pour les hypersensibles et pour les empathies. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. C'est une pierre souvent que les soignants portent sur eux, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, tout ce qui est thérapeute également. Voilà, ça évite d'absorber les énergies négatives, hein. Elle fait bouclier en fait, c'est la pierre, voilà, c'est cette labradorite. Donc à porter sur soi en bijoux ou en pierre roulée dans votre poche, pourquoi pas. Elle a des reflets un peu bleutés. Alors maintenant je vais vous lire le message pour ce mois-ci et on a la couleur vert sapin. Donc c'est une couleur également que vous pouvez porter pour ce mois-ci, hein, pareil, en bijoux, en vêtements, en foulard. Donc, voici son message. « Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. » Alors, peut-être on ne voit pas bien le message parce que si je vous la rapproche, vous voyez trouble ou... Ouais, bon, c'est pas terrible. Ah, voilà. Là, je pense que le message, on le voit très bien. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, qui ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye !